Vidéo pour vous apprendre et vous faire voir si éventuellement quelqu'un s'est connecté à votre boîte mail. Je prends exemple sur Gmail, par exemple. Donc par rapport à l'adresse IP, vous allez le savoir comme ça. Donc il va falloir déjà savoir votre adresse IP. Et attention, si vous avez utilisé un VPN pour aller par exemple sur cette adresse-là, par exemple, hein, celle où vous êtes sur votre boîte mail Gmail, eh bien là, c'est à vous de savoir quelles sont les adresses IP que votre VPN a affectées. Bref, c'est à vous de savoir. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit. Si quelqu'un, voilà, je ne vais pas dire dans votre dos, mais c'est connecté à votre boîte mail. On ne sait jamais, ça vaut le coup des fois de regarder. Alors vous allez cliquer, vous ouvrez votre boîte mail, tout simplement Gmail, et vous allez cliquer ici sur Détails. Quand vous cliquez sur Détails, vous avez cette fenêtre-là, qui est là juste au-dessus de la flèche de ma souris. Voilà, et vous avez marqué à l'emplacement, à l'onglet Emplacement adresse IP. Il y a marqué un point d'interrogation. Ben, il suffit de lire. Puis après, ben, vous bougez ici. Le petit curseur qui se trouve dans la fenêtre, vous le bougez pour voilà, pour voir un peu plus. Donc vous allez avoir aussi un bouton en haut de cette fenêtre là, qui est là. Donc le bouton il va être par là, qui va être marqué vous déconnecter de toutes les autres sessions, de toute session. Voilà. Donc éventuellement vous pouvez cliquer dessus. Voilà. Mais le but de cette vidéo c'est pour vous faire voir que ici vous pouvez voir éventuellement d'où c'est connecté, où vous vous êtes connecté par rapport à l'adresse IP. Donc éventuellement, si ça vous intéresse, eh bien vous regardez comme ça.